Hey les amis, c'est XproDC, aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo, sur une... Non je rigole, j'allais dire sur une nouvelle version, on s'en fout. C'est sur un top 17, il me semble, de mes cartes Pokémon préférées. Donc voilà, je vais en même temps, enfin en gros je vais vous... On va faire une sorte de gros récapitulatif de toutes mes cartes ultra. Il y en a une dans le top qui c'est une holo, mais enfin voilà, je la compte comme ultra tellement je la trouve stylée. Et du coup, en même temps, pour faire un récapitulatif depuis que j'ouvre des boosters Pokémon. Et oui, et du coup, en même temps, je vous préviens, il va y avoir sûrement bientôt encore, enfin bientôt, je sais pas, à peu près dans une semaine, une nouvelle ouverture sur des boosters Evolution. Voilà. Raichu, voilà. Et du coup, c'est parti, on va commencer par la 17ème carte, il me semble. Je vais quand même vérifier, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Ouais, j'avais bien raison, 17. Je me suis pas trompé, je voulais juste revérifier encore une fois avant que je fasse la vidéo. J'espère que la luminosité vous va, je sais qu'elle n'est pas très terrible dans mes vidéos, mais j'essaye de faire le mieux que je peux. Du coup, on va commencer à la 17ème place avec un petit Lugia holographique un peu en fait. C'est une holo, on va dire. Lugia holographique que j'ai dans un coffret, donc c'était la carte promo. Voilà, regardez, c'est le petit logo promo. Je sais pas si vous voyez bien. Ici. On va essayer... Bon, tant pis, c'est pas grave. Du coup, voilà, la 17ème carte. Dites-moi, dans toutes les cartes que je vais vous présenter en commentaire, laquelle est votre préférée de mes cartes, voilà. Donc, voilà. Ensuite, nous allons passer à la 16ème place, qui est, tout simplement, Non Mais Oui X, voilà. Non Mais Oui X, que j'ai eu dans ma toute première ouverture de Booster Pokémon. Voilà. Celle-là, il me semble qu'elle vient de... Impact des destins ou rupture sur beau, je sais plus, je m'en rappelle plus. Je crois que... Je ne sais pas, je crois que c'est Impact des destins, je suis pas sûr. Bon voilà, Non Mais Oui, c'était la 16ème place, on passe à la 15ème position qui est tout simplement Pikachu Foulard, voilà. Ce n'est pas une aigle, je l'ai eu dans un booster génération, voilà. Elle est hyper stylée avec les petits Pikachu comme ça, voilà. Voilà, elle est full art, hein, magnifique. Donc je les ai mis sous protège-carte, comme vous le voyez ici, voilà. Oups, du coup, ensuite, on est à la 14e place, je vais réussir à parler. Et c'est encore un Pikachu, cette fois ex-full art, que j'ai eu. C'est une carte promo, elle aussi, je l'ai eu dans un coffret Pikachu, voilà, tout simplement. Et on a le petit Voltali derrière, juste ici, et le Electek. Voilà, hyper stylé. Voilà. Ensuite, on a un gros Turtank ex-full art, voilà. Celle-là est hyper stylée aussi, il me semble que celle-là, je me suis perdu, ça y est, je crois que c'est la 14ème position. Je sais plus, j'essaie de recompter. Alors, là on en a 4, ok, donc il me semble que c'est la 13ème. Ouais, 13ème, voilà. Désolé, il y a des blancs, j'essaie de me rappeler, je suis vraiment dans les pommes, voilà. Du coup, voilà, derrière, comme vous voyez, il y a un gros, j'arrête de dire petit, il y a un Léviator et un Aquali, voilà. Ensuite, on va placer à la 12ème position, celle-là, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps non plus, voilà, c'est Gardevoir X, voilà. Petit Gardevoir, je ne sais même plus dans quelle ouverture je l'ai eu, Gardevoir X. Je ne m'en rappelle plus. Gardevoir X. Il me semble que c'est dans le coffret de Lugia, justement. Il me semble. Gardevoir X, voilà. Ensuite, on passe encore à une carte de qui vient de la série Génération. Et c'est Pyroli X, voilà. Elle est hyper stylée. Donc là, c'est la 11ème place, Pyroli X. Voilà, tranquille. Hop, elle brille un peu, voilà. Ensuite, on place à la 10ème position, encore dans un booster génération, Nymphali X. Celle-là, je m'en souviens, je l'ai eu dans un pack Pokémon fabuleux de Mew, voilà, Mew. Et il y avait deux boosters et j'ai eu de la chance, je suis tombée sur Nymphali X, voilà. Ensuite, nous passons à la 9ème position, et oui, la 9ème. Elle est hyper stylée, celle-là, franchement. J'ai kiffé quand je l'ai eu.
Et il y a bien le truc de full art, enfin voilà la matière full art. C'est Articodin full art, voilà. Donc voilà, c'est Articodin full art. Ensuite, nous avons un petit Brazegali X. Celle-là, je l'ai eu, donc c'est une promo aussi. Je l'ai eu dans un coffret ben, méga Brazegali, il me semble. Oui, voilà. Le petit coffret méga Brazegali. Donc là c'est pas méga mais je l'ai eu méga au Razegali, je l'ai eu en jumbo en fait si vous voulez, les cartes grandes, les grandes cartes, voilà. Ensuite nous avons le petit Manaphy X, celle-là c'était ma toute première ultra rare depuis que j'ai ouvert des boosters bah, avec vous en fait. Pas ma toute première parce que j'en ai déjà ouvert il y a très 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 longtemps avant, mais enfin voilà. Depuis que j'ai rouvert des boosters, c'était ma toute première, voilà. Petit Manaphy X. Ensuite, on a un Yveltal Shiny, chromatique comme vous voulez. Je l'ai dans une Pokébox. Voilà. Si j'y pense, je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. Et c'était vraiment épique. D'ailleurs, j'étais avec X-Croag. C'était vraiment une ouverture très épique. Ok, ensuite, on va passer dans le top. Bah, tout simplement dans le top 5. Voilà. On a en cinquième position. Et oui, c'est vraiment du lourd cette carte. Peut-être que vous. Que, en tout cas, moi, c'est pas mon Pokémon préféré. C'est pour ça que j'ai mis en cinquième position, non pas en première, etc. C'est Gardevoir secrète. Voilà, c'est une secrète. Donc, elle est vraiment très, 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 très rare. Je l'ai eu dans un booster normal. Je l'ai pris dans un rayon, mais vraiment n'importe où. Et j'ai eu Gardevoir. Enfin, j'ai eu tellement de chance dans ce truc-là. Ouais, j'ai eu tellement de chance. Donc, voilà, cinquième position. On passe à la quatrième position. Celle-là, je l'ai eu avec X-Pro, justement, dans l'ouverture de la Pokébox Yveltal. Et du coup, voilà, Mega Steelix X, double type Shiny. Voilà. Celle-là, elle est hyper stylée. Wow, elle est trop belle. Voilà. Après, il y a la petite écriture, là. Voilà. Ensuite, en troisième position, attention, attention, on passe à une Full Art. Steelix X Full Art. Donc, celle-là, je la préfère que la Mega. Parce que tout simplement, déjà, je préfère les Full Art, même si les méga elles sont trop belles. La Full Art, elle est trop belle, et je trouve que la couleur, c'est. Même si l'autre, elle est bien aussi. Enfin, je sais pas. J'ai une préférence pour celle-là. Dites-moi dans les commentaires, hein, bien sûr. Voilà. Elle est hyper stylée, celle-là. Voilà. Ensuite, on passe à la deuxième position, les gars. Donc, ça, ce n'est pas une Ultra. Je vous avais dit qu'il y avait une Holo. Et ben, c'est celle-là. Je l'ai eu dans ma toute dernière. Ouverture de booster, je vous mettrai le lien dans la description aussi. Et oui, dans la nouvelle série XY12 Evolution. Et oui, le petit booster. Voilà, petit booster, j'ai eu comme ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, je vous représente les. Voilà, ok, donc j'ai à côté du coup, voilà. Donc, voilà, Léviator holographique, elle est hyper stylée. Après, pour ceux qui regardent cette vidéo après mon ouverture. Et bien justement, c'est bien. Après, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la voir. Du coup, les gars, on passe au numéro uno de Top 1, Top 1. Wow, les gars, ça c'est du lourd, ça c'est du lourd. Une nouvelle carte, nouvelle série. Et oui, c'est dans la série encore Evolution. Et oui, dans l'autre, j'ai eu une ex, une ultra rare, magnifique. C'est Dracolosse X, elle est mais trop belle, c'est ma préférée depuis que je l'ai eue de toutes mes ultra rares. Franchement, elle est trop belle, je l'avais vue, il me semble, en photo, et je la kiffais, je la voulais, et je l'ai eue. Je sais pas comment j'ai fait, mais elle est vraiment trop belle. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs sur la caméra, mais franchement, si vous la voyez de vos propres yeux, les couleurs sont vraiment magnifiques. Là, il y a le petit rose et tout. Franchement, il est hyper stylé. On dirait qu'il va donner un coup de griffe, tu sais, genre, pas bah, comme ça. Là, il te tue, tu vois, comme ça, hop, boum, 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 coup de tête. Tu vas faire quoi? Voilà. Avec les petits bords dorés ici, là. Les petits bords dorés. Voilà. Et voilà. Elle est vraiment très stylée. Par contre, il y a un truc que je comprends pas sur cette carte. C'est que ici, c'est marqué base. Voilà. Base. Alors que ce Dracolosse n'est pas une base. Dracolosse, c'est niveau 2, il me semble, hein. Ben oui, il y a Mini Draco, Draco et Dracolosse. Ouais, voilà. Donc c'est bizarre, je sais pas pourquoi il y a marqué base. S'il y en a qui savent, dites-le moi en commentaire, comme d'hab. Et voilà les gars, c'était la présentation de mes 17 ultra rares depuis que je fais des ouvertures. C'est vraiment un truc de malade ces ouvertures, je kiffe ça faire des ouvertures.
Je sais, il y en a qui diront, ouais, je recopie les youtubeurs qui en font, David Lafarge, Jérémy, je sais pas, tout ce que vous voulez. Mais franchement, oui, j'en ai. La première fois que je les ai fait, c'est parce que j'ai vu. Enfin, c'est parce que j'ai adoré voir des vidéos de youtubeurs qui le font. Et du coup, j'ai voulu essayer. Et je kiffe vraiment ce truc. C'est un truc de malade, voilà. J'adore faire ça. Voilà, c'est trop bien. C'est trop bien, voilà. Je vous laisse sur ce petit fond, voilà, évolution. Donc les gars, j'espère que cette vidéo sur un top 17 de mes ultra rares vous aura plu. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes pour me faire savoir que vous aimez les vidéos sur Pokémon, les trucs comme ça. Un truc de malade, voilà. Hop, un petit Nidoran, Nidorino qui passe, voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Hop, un petit Farampre, Holo Reverse, voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, on s'en fout, je sais pas pourquoi je fais ça. Ouais, du coup, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo, sûrement sur une ouverture Booster Evolution. Ciao!